Bonjour et bienvenue à Strasbourg. Nous partons aujourd'hui à la rencontre de William, graphiste de profession et musicien par passion. William nous propose de revisiter une recette typiquement alsacienne façon mortotitude. Il nous a donné rendez-vous place de la cathédrale. C'est parti! Salut William. Salut Manu. Enchanté. Bienvenue à Strasbourg. Merci, belle ville, beau temps. Ouais, écoute, ce que je te propose, c'est qu'on aille boire un petit café pour discuter. Ok. C'est à deux pas. Allez, c'est parti. Alors William, tu nous as donné rendez-vous place de la cathédrale, monument majestueux, incroyable. J'imagine qu'au-delà de l'architecture, il y a une raison personnelle ? Alors effectivement, tu l'as dit, c'est déjà d'abord la cathédrale, tu vois, cette grande dame majestueuse, iconique de Strasbourg, mais c'est aussi donc une place qui a une affluence énorme. Du coup, pour les musiciens, c'est un spot qui peut se révéler très intéressant parce que du coup, tu as plein de passants. Et donc, quand tu as pris contact avec nous pour la mortotitude, tu nous as dit, moi, je tiens à revisiter un plat typiquement alsacien. Tu es resté secret. Nous, on a bien rigolé. On s'est dit peut-être un kouglof à la morto. Mais non. C'est plutôt un autre monument de la cuisine alsacienne, c'est la choucroute. Là où la morto va vraiment donner un arôme incroyable. Et du coup, pour avoir le meilleur de ces deux produits, je vais t'inviter chez mon épicier préféré, chez mon oncle Malker de Münster. C'est à deux pas d'ici. Donc on finit nos cafés et on y va. Là, c'est l'épicerie fine. Ouais. C'est le rendez-vous des gourmets. Donc tu vas découvrir ça. Ok. Ça donne déjà envie. Salut Vincent. Salut Will. Bonjour monsieur. Manu. Salut Vincent, bienvenue chez Malker. Alors ce soir Vincent, je reçois mes amis un petit peu en last minute et je voudrais les surprendre avec une super choucroute. Et tu as vu que j'avais rentré la fameuse saucisse de morteau IGP. Oh mais génial. Ça va plaire à tout le monde, je vous propose d'aller sélectionner les produits ensemble. Will, tu m'as dit que tu n'avais pas le temps de cuisiner. Donc j'ai la solution pour toi, on a nos kits choucroute clé en main. Si tu veux épater tes amis, je te propose la fameuse saucisse de morteau IGP. 40 minutes, eau frémissante et surtout, tu ne la piques pas. Je te propose le Riesling Rosacker, un des 51 grands crus d'Alsace. Vous allez vous régaler. Merci beaucoup pour les précieux conseils et les produits. Merci à vous, merci Will d'avoir pensé à moi. Je vous souhaite un bon appétit, une belle journée. Et régalez-vous entre amis. Merci beaucoup. À bientôt. Ciao les gars. Au revoir. Bon, on va mettre tous ces bons produits au frais. Eh ben, ça tombe bien parce qu'on vient d'arriver. Alors William, merci de nous recevoir chez toi. Service. Tu vas nous expliquer comment on prépare ces bons produits ? En toute simplicité, les patates, eau bouillante, 40 minutes. Okay. Le kit choucroute, feu doux, 20-25 minutes. D'accord. La saucisse de morteau, ouais. Eau frémissante, okay. 40 minutes. Et on ne la pique pas. Sans piquer, exactement. On garde la saveur. Je te laisse mettre tout ça sur le feu. Moi, j'ai sélectionné une petite bière tout à l'heure. Je sers notre apéro et puis on se retrouve après. Exécution. D'abord, le lit de choucroute, hein, c'est ce que tu m'as expliqué. Comme ça, un allez. Petit assemblage. Et ça, ensuite, c'est 20-25 minutes à feu doux. Ok, très bien. C'est parti. Le fumet de la morteau. Ah, à toi l'honneur. C'est à moi l'honneur de découper. Bon, je vais essayer de bien m'appliquer. C'est parti. C'est parfait, ça. Magnifique. Ça va là en taille de tranche. C'est super. On est bien. Hey ! Salut Arnaud. Ça me fait plaisir de vous voir. Hop les amis. Ça c'est alsacien.
Voilà. Et puis, Will, la pièce maîtresse de cette choucroute revisitée par William, la saucisse de Morteau, les amis. Wow. Ouais. William a bel et bien l'amour toutitude, il a réussi un mariage parfait entre le terroir alsacien et le terroir franc-comtois avec la saucisse de Morteau. Quant à nous, on se retrouve très bientôt pour se régaler à nouveau.